Monica. Si Hello Voice 2023, j'appelle leur coach sur scène, Amel Bent, les Azir, votre deux finalistes. On a une pensée pour tous ceux, effectivement, et toutes celles qui ont fait de cette saison quelque chose d'unique. Nour nous a rejoints l'année dernière. Elle levait le trophée de la victoire et passe le relais aujourd'hui. C'est notre grande gagnante. Elle avait commencé dans West Kids. Elle est passée par les Voice. Elle a décroché. Et elle fait toujours son chemin. Vous avez quel âge maintenant? 17 ans. Elle est tout jeune. Je sais pas si mon micro il marche. Il marche, marche, tout, marche tout marche, tout marche. On y va ou pas? Ça va faire bizarre, hein? Ça va faire comme vous l'avez vécu et on continue. On passe le relais. On partage. Ces artistes sont entrés dans nos vies il y a 3 mois. Et pourtant, ils ne connaissaient personne. Ils n'avaient pas les codes du spectacle. Ils vivaient leur vie, simplement, avec toute la richesse des valeurs qu'ils avaient chez eux. Ils regardaient l'émission assis le week-end sur le canapé. Parfois, ils s'inscrivaient sur MyTF1 sans trop y croire en se disant de manière, c'est pas pour nous. Mais portés par la passion, ils ont osé. Ils se sont engagés. Avec ardeur, avec enthousiasme, ils ont pris le risque de s'exposer, de se confronter à votre regard, cher public, de se surpasser pour faire entendre leur voix. Eh bien, cette aventure hors du commun changera peut-être leur vie et les fera peut-être entrer dans la nôtre en tant qu'artiste, dans la vôtre aussi en tant que chanteur. Chaque finale est unique, chaque instant partagé sous les feux de la rampe restera mémorable et j'appelle notre huissier, Maître Simonin, pour l'heure des résultats. Qui avez-vous sacré The Voice 2023? Merci, maître. Aurélien ou Mika?